Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure pour regarder la vidéo ça. Je tiens à nous venir avec une autre vidéo pour la vidéo ça. Nous venons expliquer un peu de une série de monde qui gagne en pile possibilité et monde ça yo développement Haïti ta de reposer sous yo, mais malheureusement nous pas connait, mais nous voilà du pays d'Haïti pour sortir dans difficulté, dans maras, dans trahi, dans la boue, dans saleté que lié jeune jodi a. Si monde ça yo nous voilà présenter là comme monde qui gagne en pile richesse nan men yo, eh bien yo mette tête yo ensemble, eh bien yo ka fè pays ça, eh bien vini jan yo te kon rele l'appel des Antilles. Mais nous bien dit aussi si yo gen volonté. Bon, juste avant nous continuer, est-ce que tu connais? Oui, ou t'as bien besoin connaît, mais OK, nous pour aller expliquer. Mais juste avant nous expliquer ça, on mande yo sur votre abonné qui te montre comment pour abonner. Vous montez sur YouTube, vous tapez Zilzava Production. De là étant, vous voyez Jo, vous pouvez un côté qui marque s'abonner si téléphone ou en français. La marque subscribe si téléphone ou en anglais. La marque subscribe si téléphone ou en espagnol. Vous cliquez sur le lien, vous cliquez personnaliser. Vous retirez sous personnaliser, vous mettez sous tout. Comme ça, chaque fois nous laguer une vidéo ou pas jamais rater parce que on jeune à temps. Eh bien, qui t'en retourne dans la vidéo avec vous. Bah. Mais je dis, c'était bien dit, on a vu une balle de un groupe de monde qui a en pile richesse. Un groupe de monde ça eux peut-être nous qui a en pile richesse dans le pays d'Haïti. Mais si yo rive mettre tête ensemble, eh bien, yo ka rend pays ça vivable. Mais si je continue à diviser, je divise, eh bien, le pays est toujours invivable, la jeunesse a toujours couru quitter le pays, tout le monde a toujours senti qu'il n'y a pas de confort dans le pays et a toujours cherché l'autre côté pour faire ses jours. Eh bien, en avant, le premier monde qui a un pile richesse dans le pays, eh bien, c'est M. Denis O'Brien. Monsieur, c'est le propriétaire Digicel en Haïti. Et bien, avec ça, grâce à Digicel, le plus grand opérateur de télécommunications en Haïti, et bien, monsieur, dans l'espace de 6 ans, et bien, pas gagné, il y a reproché les quantités d'argent avec ça, l'y posséder. C'est que, avec ça, tout l'argent l'y gagné, l'y évalué à 6,8 milliards de dollars américains. Et nous allons regarder l'un des monde qui a un pile moyen dans le pays d'Haïti, c'est Gilbert Bidjo. Eh bien, avec ça, Gilbert Bidjo, ça, eh bien, c'est on a qui a un pile possibilité, un pile moyen. D'ailleurs, c'est un entrepreneur. Eh bien, qui fait un pile intérêt, il a plus grand entreprise dans le pays. L'argent qui monsieur gagne, il évalué à 2 milliards de dollars américains. Troisième monde qui gagne un pile coup dans le pays d'Haïti, monsieur Elie Grégory Mess. Il a gagné plusieurs en pile. Entreprise, surtout en un parc industriel, côté que, eh bien, il fait l'huile, surtout au cuit manger, eh bien, monsieur fait bagaille ça, yo, en temps, il fait un pile l'autre bagaille encore. C'est que, il gagne, chez pour ça, qui c'est une autre partie qui n'en va rien, et côté que, qui entre en pile marchandises, bagages privés, stockage, installation, bonne bagaille liquide, c'est là, c'est l'autre bord. Eh bien, bagaille ça yo vaut en pile. Si, next year, on va mettre tout ensemble, l'agent muse évalué à 1 milliard de dollars. Quatrième monde, monsieur Jean-Bertrand Aristide Nekposali. Next year, on prêtre catholique qui est rentré dans la politique.
Et il était venu président pays en 1991, 1994, 1996. Et M. Tabral fait 2001, il a fait 2004. Après, M. Tabral prend un coup d'État. Nous parlons de 1996, c'est que M. prend un coup d'État. Et puis, on va le voir en exil, il a retourné, il est retourné, monsieur Poil, Amérique va venir retourner avec lui. Et bien, monsieur Poil vient président encore en 2000. Richesse qu'il gagne ou bien l'argent qu'il possédait, il égale à 800 millions de dollars. Cinquième monde, qui c'est Reginald Boulos. Il était président chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti. Son Libano-Haïtien, John Julia, un entrepreneur, un homme d'affaires, un philanthrope, c'est que bilan monsieur par rapport à Cob, on estime d'après recherche que monsieur gagne, il gagne 620 millions de dollars américains. C'est que monsieur Marc-Antoine Accra, eh bien, fortune monsieur lui-même, il a évalué à 600 millions de dollars américains. Un septième monde, nous allons venir avec Éric Jean-Baptiste. Ça nous connaît. Éric Jean-Baptiste, nous connaît, c'est dans la bolette. On voit monsieur rentrer l'argent. Ça. Monsieur rentrer l'argent dans la bolette. On voit, ça veut dire, son monde besoin de faire un bon loto pour faire un bel cop. Et bien, c'est dans la loterie Éric Jean-Baptiste là pour jouer comme ça pour rentrer l'argent. Ça veut dire, avec ça, gagne. Un bon magot dans la main qui évalue à 500 millions de dollars américains. L'autre n'est qui vient pile pour en 8e position, monsieur Redapet, diplômé dans l'Université internationale de la Floride. Il débute en carrière baccalauréat en gestion système de formation et de finances pour maîtrise internationale. Et ceci dit, monsieur. Fortune monsieur, d'ailleurs nous connaissons monsieur, c'est dans le domaine textile lié en Haïti et dans la question factory, et bien fortune monsieur évalué à 350 millions de dollars américains. Le vieux monde qui pourrait gagner en pile richesse dans le pays, ça, c'est monsieur Clifford Brandt, pour peut-être qu'il vivre un moment difficile pour nous. Parce que les quatre murailles, monsieur ça, eh bien, c'est un entrepreneur, monsieur, en machine, on sait de bagaille, monsieur, eh bien, fortune était évaluée à 200 millions de dollars. D'ailleurs, Jeanne Zola, monsieur, de cuisson à faux, monsieur, un cas. Café, bagages textiliaux, eh bien, fortune monsieur était évaluée à 200 millions de dollars. Finalement, l'extérieur, c'est haïtien qui gagne 10 millions de dollars. Dans le on a posé peut-être nos questions. Si l'extérieur, tout le monde, nous sommes tous là qui gagne milliards, millions dans le si vous avez mis tête ensemble, est-ce que le pays d'Haïti t'a doué non? Circonstances dans la situation qui est là. Qui ça nous pense de monde ça yo, de monsieur ça yo, de groupe monde ça yo qui sont tous les milliers ça nan yo, et puis pour pays d'Haïti dans la situation qui est là. Est-ce que c'est pas Haïti qui doit sauver Haïti? Est-ce que c'est Haïti qui doit sauver Haïti? Ça c'est la question, je vais obtenir une réponse. Dans les cas, je vous demande de vous abonner, tant pis. Elle fait ça pour nous. Pas oublier, cliquez sur la photo avec moi qui est abonné et puis pèsez la cloche de notification. Je pense que je viens avec une autre vidéo pour vous et vous ne ratez pas. Rien. Bye. Aidez-nous.